Et salut les gens. Et aujourd'hui nous sommes sur Elden Ring pour le plaisir. On va continuer un peu notre progression. Alors on arrive au château de Voilorage. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment chouette. Alors il y a plusieurs points de passage dans lesquels on peut aller. Pour l'instant moi ce qui va m'intéresser bah, c'est là, hein, d'avancer tranquillement. On va passer par là, et vous allez comprendre pourquoi. I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Fair enough. You certainly don't have to trust me. Well, if you must go through the gates, I'll signal them to open. But of course, I'd advise against it. Bon. On va aller chercher les feux et comme ça on les aura. The gates! Open the gates! Alors, je vais peut-être mourir. Voilà. Ah pourquoi? C'est dangereux. Voilà. C'est dangereux, hein. On fait un métier dangereux, on fait un métier dangereux. Ou alors on le fait pas. Bon. Au moins ça c'est fait. Donc. Voilà. Ça c'est pas mal, la résistance à la foudre. Là il y a des géants. Pour l'instant on va éviter, hein, clairement. Mais au moins comme ça on a le... Voilà. Voilà, au moins ça c'est fait. Ouh. Pur. Donc, ça c'est fait. Donc... Hmm.
Ah, c'est nice ça. Mais bon. Hello. Alors attention parce qu'il y a des pièges un peu partout. Là. Commence à faire avoir à 5, 4, 3, 2, 1. Avec de lancer. Enfin. Évidemment, 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 évidemment. Et voilà, voilà. Ah voilà. Évidemment, évidemment, évidemment. J'en étais sûr. C'est embêtant, mais... Dangereux. Dangereux, c'est dangereux. On doit avoir la clé. J'en profite quand même pour... Hop, voilà. Pour l'instant... Pour l'instant, on est plutôt bien. Ça passait. Pour voir. Je suis très curieux en fait. Ouais, je pense que oui. Il y a plein de trucs qu'on peut faire comme ça. Et ça c'est
À se mentir, c'est super cool, je trouve. Là, du coup, on peut pas, on peut pas, on peut pas. D'accord. Quoi? Ok, bon. Bah ouais, que sans l'épée, c'est un peu galère, mais bon. Là, on a récupéré un marteau, donc. Ça, c'est vraiment chouette. Peut-être comprendre un petit peu le truc, mais là j'ai vraiment peur de mourir bêtement. Enfin, bref. What? D'accord. Bon, hein, voilà, j'en ai marre. Il suffit. Qu'est-ce qu'on a par là? Ouais. Ah, par exemple, je pourrais sauter, je pense. Ouais. Je vais pas tenter, mais on pourrait. Imagine. On va faire ça. Et ça. Dude. Ça, c'est de la saloperie, hein, je vous le dis. Chevalier comme ça, là. Beaucoup de vie. Grosse résistance et te bourre le cul. Alors attends, on va aller prendre le feu qui est ici. Pas pour l'instant. Donc je vais vite fait me régène. On a combien là en âme juste pour monter de niveau? On n'a pas assez, hein. On n'a pas assez. Ma foi, pourquoi pas? Bonjour. Ok, là je vais peut-être mourir. Est-ce que ça vaut le coup? Je crois que non, ça ne vaut pas le coup d'aller chercher ça là-bas parce qu'en fait, c'est pas foufou. Alors, on va vite faire clear. Oh là! Oh Yuri, cours pour ta vie là.
Bon. Là. Donc là par contre, là on peut faire ça, je crois, voilà. Après on peut sauter de toi en toi, l'Assassin's Creed. Voilà, ce qui nous intéresse là, c'est de redescendre. Ah. Est-ce que je me serais trompé? Je me suis possiblement trompé. Attends, on va voir. Non, en fait, je me suis pas trompé. Attends. Pas sûr que ça passe là. Tu es là. Ça passe. Voilà. Bon. Hop. Et là, tu fais ça. Là, tu as gagné. Un bon moment, et ça c'est plutôt cool, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse là. Là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, hop, bon, allez, là, on verra bien. Je sais que. On peut gagner du temps. Voilà, comme ça. On continue. Voilà. Et là, je crois que je retourne à l'entrée. C'est marrant ça. Donc là, tu fais ça, tu peux, en fait tu peux clear pas mal de mobs en hauteur et ça c'est chouette. Donc là comme ça hein. Regardez un petit peu, hop. Voilà.
Bon. Moi, ça, c'est mort. Ta 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 ta. Là, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. La plus commune est de sauter. Je sais pas si ça va le faire là, on va voir. À mourir hein. Voilà. On va descendre tranquillement. Alors on va aller ici, et ici on va rencontrer un copain. Ah, nice to meet you. The plan, I'm looking for a little something. Here in the camp, when I'm not hot-footing it from the troops, that is. But this place is bristling with tarnished hunters, you know. Not exactly a place I'd stroll into without... I see, you can see it then. Well, I'm tarnished, like... But... Unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow Tarn... voyons voir ce que tu peux m'apprendre. Ouais, rien de... L'espadon de carrière, ça peut être... Oui et oui. Voilà. The battle art you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the Great Academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the order broken, twisted, and in need of repair. Such adaptability is more important now than ever. Évidemment, hein. Ce qui va nous intéresser. Oh! Alors, voyons voir. Oui, tu le tues une fois, c'est bon. Voilà. C'est fait. Donc, oh, alors, on a bien visité le château, mais c'est pas encore parfait. Là, par exemple, on a la possibilité de retourner. Je dis pas de bêtises.
gagne rien. La possibilité maintenant de faire ça, et ça c'est plutôt cool en vrai. On va le faire remonter au cas où. C'est beau ça. Hop là. Évidemment, on a la possibilité de monter. Je sais plus trop comment on monte d'ailleurs par là. Ouais. Hop. Ensuite, on en profite pour récupérer tous les items qui servent à rien. Ça fait plaisir. Voilà, on est censé avoir un chevalier, mais ouf. Ok. Alors attends. Là, ça va être fermé. Donc, faut. C'est par un balcon, hein, je crois, en hauteur, qu'on peut y avoir accès. De toute façon, c'est toujours par des balcons. Quand on y réfléchit bien. Ce qui peut par moment être un petit peu relou, mais bon. Le jeu m'a pas voulu 7. Donc. Il m'énerve. Mais dis donc. Ah non. Oh non. Je suis comme un bourrin. Bah c'est pas grave. Ce n'est point grave. Au moins. Ok. Ah, ça me touchait, hein. Mon ami. Trop loin. Ok, on a compris.
Bon. Là, c'est un peu plus compliqué dans le sens où... mais... Bah. Donc... Vous allez comprendre pourquoi c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, il y a deux feux de camp à récupérer. Ah oui, tiens, il y a ça aussi, là. Peut-être rester avec les... Donc là, petite clé de pierre. Oui. Donc j'aurais pu passer comme ça. Ouais. Ah ouais. Bon. Qui fait effet. Ah quoi qu'attends. Donc. Donc là, so décide et. Clavière, je sais plus du tout à quoi ça sert, mais ça reste quand même un item assez important, on va dire. Donc là, on est vraiment à l'entrée du château. Il n'y a rien à récupérer de transcendant là, c'est vraiment un moyen si vous voulez directement aller dans une des tours. Donc, même pas gaulé, qui dit mieux. Ah, si je meurs, c'est pas grave. Hop là. Ouh. Ouh. Donc là, on connaît. Là, c'est pour la suite. Pour aller faire le... Il y a un boss en bas. Là, je pense pas qu'on puisse... Et... Oh. Intéressant. On va où ça monte, ça. On va voir. Ok, ramène ici. Intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. D'abord on a... Voilà. Oh bah. Les peaux fissurées qui ont une âme, hein, apparemment. Là, là-dessus, on a aussi quelque chose. Là, là-bas. Et bim. Donc. Alors, et là, si on peut, si on veut, on peut faire le boss. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser théoriquement maintenant.
pas ça qui va m'intéresser. Mais au moins on l'a. Là, d'ailleurs, si on va faire un truc, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait ? Ah, on va le faire, on va le faire. Non, on va pas le faire. On va pas le faire parce que. On en a théoriquement pas besoin. Oh, attends, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une fiole ou un truc comme ça. Hop. Il y a que dalle. On va redescendre. Et on va commencer par le... Un boss qui a... Un boss qui est par là. Un boss qui est par là. Ah, j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas... Pas excessivement grave. Hop. Donc, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ça risque d'être drôle parce que le boss en lui-même est quand même sacrément vénère, donc on va voir un petit peu. Je pensais que là je pouvais sauter pour monter là-haut. Apparemment non. Je me rappelle plus en fait. Donc. Voilà. Alors on en a un là. Là. Donc, ça c'est vraiment cool. Hein. L'invocation vindicative. Si je meurs, je pense que je l'installerai. On va faire ça et. Aussi. Allez Yuri. Moi c'est. Peut-être pierre. Je peux y arriver.
Voilà. Et une graine dorée. Bon. Bonne chose de faite. Et un peu du coup, on peut en monter là-haut, c'est ça. Je me rappelle. On a fait le plus gros trash de ce donjon. Là, y a un truc qui me trigger là. C'est quoi ça? Là, bah, y a une marque. Allons voir un peu. Oh. Très bien. Je me suis toujours posé un petit peu la question. Donc voilà. Alors là, je pourrais utiliser la clé, mais en vrai. Bon. Allez. Dis-moi. Moi, ça sera fait. Des bonnes choses comme on aime. Pourquoi il monte la garde là, mais il la monte. Et sagement. Allez, hop. Donc là, on connaît. On ne s'arrête pas. On a du monde au cul, mais c'est pas grave. c'était un petit peu tendax, mais ça passe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. Plus résistante, hein. Voilà. Donc là, il va falloir monter encore quelques milliers pour que je prenne un niveau. C'est vrai que ça serait cool d'avoir un niveau de tranquillité. Donc là, on récupère une graine dorée, ce qui va me permettre d'avoir une potion supplémentaire. Honnêtement, une potion supplémentaire, bah c'est un plus. Et là, du coup, on va rencontrer une copine. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. But the well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds.
Voilà, bon. Parti. Au revoir. Bon. Fiole sacrée. Ajouter dose. Oui. Ajouter dose. J'en ai pas assez. Répartir dose. Honnêtement, on est bien là. Voilà. Je pense que là, meilleure fiole sacrée, je suis pas sûr. Ouais, on n'a pas de lampe de vie. Hop. Allez. Par contre, monter de niveau, j'ai peut-être de quoi monter de niveau, voilà, hop. Ça c'est bueno ça, oui. Ben. Bon, allez. On va tester avec les invocations. Néphili, la guerrière. Oh. Mighty dragon, thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Tu as quand même plié sous Melania, mon ami. Il fait pas tant de dégâts que ça. Je m'attendais à lui faire plus de dégâts que ça. Mais bon. Truest of dragons. La transformation. Alors j'aurais pu aller chercher l'espèce de pulsar là, mais ça serait trop simple. De toute façon on l'aura bientôt.
peut prendre une potion. Merci. Tac, 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 tac. Allez. We'll return together to our home, bathed in rays of gold. Ruine majeure de Godric, souvenir du guerrier-fée. Oui. Du coup, là, je peux aller chercher la première rune. Je le désire. Ok. Mmh, 15 000. Bon, on va remettre un point d'esprit. Hein. Le but c'est de monter à 20-20. Histoire d'être bien. Et après, on monte un petit peu l'intel. Hein. Et ouais, c'était. Reste tout. Ah ah. Excuse for a lord you were, craven to the bone, pushing me about like that, and after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? God, oh, this weasel was, Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved. I tell you though. What goes around comes. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Donc t'as quoi à vendre, mon ami? Tu as des pattes, tu as... Tu as rien de... transcendant, tu es un... Bon, bah écoute, hop. Ce qu'on va faire, c'est avant de se quitter, on va aller dans la tour. Tour divine de Nécrolimbe. On est parti. Oh.
Regardez-moi ça. Et on récupère la rune majeure. Et là on est plutôt bien et du coup on va se téléporter. Et on peut voir un géant, hein, le cadavre d'un géant. Ça c'est plutôt cool en vrai. Donc on en a fini avec Nécrolimbre définitivement. On va se téléporter à la falaise. Une majeure, bon bah en attendant hein, c'est pas... Attends, hop. Moi que les attributs, hein, en attendant c'est mieux que rien on va dire. Ensuite, cendre dégué, on est bien. Là on a 4 sorts. Honnêtement, dès que j'ai moyen d'avoir un sort en plus, je mettrai l'espadon, clairement. On a évidemment vocation vindicative, mais malheureusement je n'ai pas assez de foi. Et ça c'est pas mal. J'ai beaucoup de foi en fait, c'est équivalent de ça en fait, de la fronde. Donc ouais, ouais c'est pas mal du tout. Long terme. Bref, bien vous savez quoi. Du coup. Oh. Hello. Is someone there? My name is Hayata, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shibriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Et du coup, j'ai gagné. Petite macro et ça c'est plutôt cool. Bon, et bien vous savez quoi, prochaine destination cette vallée, je vous dis à très très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Bisous.